Il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de découvrir un lieu magnifique et empreint de poésie. Il s'agit du Musée des Arts Forains de Paris. C'est ce moment magique que je vais partager avec vous dans ce nouvel instant cosy. Je me suis rendue au Musée des Arts Forains pendant les Journées du Patrimoine. Ils y organisent tous les ans plein d'animations avec des billets d'entrée moitié tarif. Ça faisait d'ailleurs un moment que nous parlions d'y aller avec Artou, qui est un grand amateur de l'univers des parcs d'attractions et fêtes foraines. Honnêtement, je pense que c'est l'un des plus beaux musées que j'ai visité. C'est un lieu totalement magique. L'un de ses plus grands atouts étant sa scénographie. Aucun des objets, jeux ou manèges n'est sous vitrine. On est libre de tester toutes les attractions ou presque. Du coup, quand des scénographies classiques de musées nous laisseraient dans une certaine nostalgie, au Musée des Arts Forains, on est plongé dans un lieu de rêverie et d'amusement. Pendant les Journées du Patrimoine, pas de visite guidée. On est libre de déambuler à sa guise entre un théâtre du merveilleux, une fête foraine de la Belle Époque, un théâtre de verdure, des salons vénitiens et un théâtre de miroir. Nous avons donc passé une bonne partie de la journée, hors du temps, à déambuler entre les différents espaces, à regarder les différents spectacles et manèges. Au fil de nos déambulations, nous avons admiré un spectacle d'automates, du jonglage lumineux, des musiciens et des acrobates. J'ai particulièrement aimé le spectacle « Féerie aérienne » de Cécile Pochol. Voir ce genre de prestation en extérieur me semble rare et très impressionnant. Il faut savoir que le Musée des Arts Forains est une collection privée. La collection rassemble des pièces du XVIIIe et XIXe siècle, époque à partir de laquelle la fête foraine devient plus festive, se détache des foires traditionnelles et développe la variété de ses attractions. Dans ces années-là, la fête foraine était réservée aux adultes, venant s'émerveiller, se cultiver et s'encanailler. On montait à cheval, en voiture ou à vélo dans des carrousels. On jouait à des jeux de paris. On venait admirer des expositions de science et des films de Georges Méliès dans des salles de cinématographes mobiles. Bref, c'était l'occasion de se changer les idées. Cela se retrouve notamment dans les décors des attractions qui sont de véritables œuvres d'art. Il regroupe principalement des illustrations de femmes, de fêtes et des moqueries de la société de l'époque, avec des codes de couleurs, des rayures et des rondeurs permettant d'hypnotiser en quelque sorte le visiteur. Le Musée des Arts Forains, c'est aussi un grand atelier de restauration et d'entretien. À titre d'exemple, la restauration de ce vélocipède de 1897 a demandé plus de 20 000 heures de travail. Alors bonjour, bienvenue au manège vélocipédique, appelé plus communément manège de vélo. Effectivement, c'est un manège fait avec des vélos. Ce travail permet à tous les visiteurs de pédaler à leur tour pour expérimenter un authentique manège de cette époque. Au final, j'ai passé un super moment et ce musée est vraiment un lieu merveilleux avec plein de choses à découvrir et à tester. On est projeté dans un autre monde, hors du temps. Je vous conseille donc vivement d'aller le découvrir si vous en avez l'occasion. Ils organisent d'ailleurs un autre événement avec des animations, le Festival du Merveilleux, au moment des fêtes de fin d'année, donc renseignez-vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir fait partager un petit moment de détente dans nos vies survoltées. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ce musée ou si vous avez envie de le découvrir. Je vous fais des bisous et pensez à respirer.